un chanteur égyptien qui s'appelle Abdel Halim Hafez. Une de ses musiques, c'est pas le seul bien sûr, a servi et a inspiré pour des samples pour des rappeurs américains, notamment Jay-Z. Donc il y a eu énormément d'influence au-delà des arabes, les rappeurs américains. Ils prennent des références arabes anciennes, les rappeurs américains. Eh ben oui, je sais pas s'ils le savaient, mais oui, ça vient d'un chanteur égyptien. Oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Donc aujourd'hui, on reçoit Sabrina Benoui. Les gens vous connaissent peut-être puisque vous dirigez la chaîne Esprit Arabe sur YouTube. Et je voulais vous inviter car je trouvais votre chaîne originale, intéressante et vous expliquez en fait la culture arabe aux gens sur Internet. C'est ça, le résumé. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous? On veut tout savoir. Donc, je m'appelle Sabrina Benoui, j'ai 27 ans. Je suis responsable du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières. Donc, je m'occupe de surveiller l'état de la liberté de la presse au Moyen-Orient. Ça va de l'Égypte aux Émirats Arabes Unis, grosso modo. Et effectivement, à côté, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Esprit Arabe. C'est comme ça que vous m'avez découverte, apparemment, qui s'intéresse à la diversité et à la richesse de la culture arabe, qu'on appelle grossièrement le monde arabe, mais que moi, je préfère appeler Moyen-Orient et Afrique du Nord. Pourquoi Moyen-Orient et Afrique du Nord et pas monde arabe, tout simplement? Avant de parler de monde arabe, il faut justifier cette appellation parce qu'il faut expliquer ce que signifie le terme arabe, en fait. Donc, on peut distinguer les deux espaces, Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Reporters sans frontières, on a distingué l'espace géographique Moyen-Orient et Afrique du Nord parce que les deux sont différents, même s'il y a le dénominateur commun arabe, en fait, l'identité arabe derrière. Mais politiquement, culturellement, il y a quand même des différences. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter Esprit Arabe? Parce que j'ai vu vous parler un petit peu de tout concernant la culture arabe. Ça va de la musique à la politique, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer le concept de la chaîne? Oui, alors j'ai décidé de créer cette chaîne parce que j'ai constaté qu'il n'y avait aucun contenu sur YouTube, en tout cas en français, qui parlait du monde arabe. Donc, on va parler de monde arabe pendant cette interview. Du coup, ça a répondu à une certaine frustration de ma part. Je me suis dit que j'allais m'en charger moi. Et donc, je m'intéresse à tous les sujets qui sont transversaux aux pays de la zone MENA, Middle East and North Africa, Moyen-Orient et Afrique du Nord, comme par exemple le pouvoir des militaires, comme des sujets d'actualité aussi, le tourisme en Arabie Saoudite, la guerre au Yémen, la guerre en Syrie, dernièrement un documentaire sur l'Algérie qui a fait polémique. Vraiment toutes les choses en rapport avec l'actualité, en rapport avec des thématiques qui sont transversales par rapport à tous ces pays et en rapport avec l'histoire et la culture de la zone MENA. Comment choisissez-vous les sujets? Est-ce que c'est l'actualité, c'est votre humeur? Est-ce que ça va de films, de musique, à la politique? Ça dépend en fait. Parfois c'est en regardant l'actualité, donc il y a des sujets qui s'imposent naturellement. Par exemple, pendant la bataille d'Idlib en début d'année, en Syrie, ça me semblait nécessaire et naturel d'en parler parce que tous les médias ont attiré l'attention sur ce qui se passait là-bas et que donc je devais de le faire aussi à ma façon. Il y a des choses que je découvre ou que je décide de mettre en avant en regardant les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, c'est des choses récurrentes mais qui vont ressortir en particulier sur Twitter comme... par exemple, typiquement, le documentaire sur l'Algérie qui a fait polémique, même si les autorités algériennes ont fini par réagir en rappelant leur ambassadeur, mais ça a été énormément discuté. Et puis, il y a des choses, comme je le disais un peu avant, qui sont transversales et qui sont, à mon sens, nécessaires d'aborder pour comprendre la culture, l'histoire et la politique des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il y a une forte présence arabe en France, surtout originaire du Maghreb. Est-ce que vous pensez que malgré cela, les gens, les Français, ne connaissent pas bien la culture arabe? C'est clair, les Français ont une connaissance biaisée de la culture arabe. Pourquoi? Parce que généralement, pour les Français, arabe, c'est synonyme de maghrébin. Or, c'est pas du tout le cas. Évidemment, c'est lié à la forte population nord-africaine, que ce soit marocaine, algérienne ou tunisienne en France, mais aussi en Belgique, il y a beaucoup d'Algériens et de Marocains. Mais à partir de là, en partant de ce constat, arabe
égale maghrébin, ou plutôt maghrébin égale arabe, on est biaisé. Parce qu'il y a énormément de maghrébins qui ne se considèrent pas comme arabes ou qui ne sont pas arabes de fait. Il y a beaucoup de berbères, par exemple. Et les populations autochtones en Afrique du Nord sont berbères. Elles ont été arabisées de longue date et il y en a d'autres qui continuent d'utiliser les différentes langues berbères. Le deuxième aspect qui est biaisé dans la compréhension de la culture arabe qu'ont les Français, c'est la confusion entre arabes et musulmans. Alors c'est vrai qu'au Maghreb, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, il y a une écrasante majorité de musulmans dans la population, et donc l'identité de ces pays, la composante islamique, l'islamité et l'arabité se confondent dans l'identité. Sauf que quand vous allez au Moyen-Orient, par exemple, vous allez trouver des populations profondément arabes, mais d'autres religions chrétiennes de longue date, et puisque la langue arabe précède l'apparition de l'islam. Donc la question ne se pose pas chez eux. Donc c'est le deuxième biais que les gens confondent, arabité et islamité. Qui sont les Arabes ? D'où vient ce peuple, avant et après l'islam ? Alors, à l'origine, quand on parle d'arabe, on désigne tous les habitants de la péninsule arabique. Donc, la péninsule arabique, si vous avez la zone géographique en tête, c'est grosso modo l'Arabie saoudite actuelle, le Yémen et tous les États du Golfe. C'est ceux-là, les Arabes. Traditionnellement, les Arabes se perçoivent comme descendants de deux branches principales. On a d'un côté les Banu Qahtan, donc Qahtan, si je le prononce sans l'accent, ce sont les Arabes du Sud, plutôt au niveau du Yémen actuel, et les Banu Adnan, qui sont les Arabes du Nord. Et c'est de cette branche, la branche des Adnan, que descend Ismaël, le fils d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on dit que les Juifs et les Arabes sont cousins, parce que Ismaël est le fils d'Abraham par sa concubine Agar, et il a eu Isaac, qui donc a donné la branche des Juifs. Donc ça, c'est avant l'islam. À partir de l'islam... Excuse-moi, c'est un peuple sémite, de langue sémite, proche de l'hébreu, à la base? Oui, c'est ça. L'arabe, de toute façon, fait partie de la même famille de langues que l'hébreu. C'est les langues sémitiques. Tout comme l'araméen, comme l'acadien, qui est beaucoup plus ancien, le phénicien. Donc, ils ont la même origine traditionnelle, si vous voulez. Et théoriquement, d'ailleurs, les tribus arabes, quand elles prennent leur arbre généalogique, elles peuvent remonter jusqu'à Ismaël, donc fils de, Ismaël, et même jusqu'à Adam, le premier homme sur Terre. Les Ben, dans les pays arabes, on dit Ben, etc., Ben Youssef, oui. Ben Mohamed, oui. Ça veut dire fils de Mohamed, fils de Youssef, fils de... Mais ça existe. Exactement, oui. C'est la généalogie est très importante chez les tribus arabes. Donc là, ça concerne la période anté-islamique. À partir de l'islam, à partir de l'expansion musulmane, toute la péninsule arabique a été unifiée. Donc, c'était loin d'être le cas, aussi bien politiquement que religieusement. Il y avait des tribus, par exemple, qui étaient alliées à l'Empire byzantin. Mais à partir de la conquête islamique, là, c'était un ensemble géographique unifié sous la bannière de l'islam, même s'il restait quelques tribus minoritaires non musulmanes. Et ensuite, après la mort du prophète, il y a eu une expansion, une conquête fulgurante en très peu de temps, principalement vers l'ouest, donc vers le Levant, puis ensuite vers l'Afrique du Nord. Et là, on a eu des populations qui ont été arabisées et islamisées. Donc ces personnes ne sont pas ethniquement arabes, mais elles sont culturellement arabes, en plus d'être religieusement musulmanes. Donc la langue et la culture arabe aujourd'hui rayonnent bien au-delà de la péninsule arabique originelle. C'est grâce à l'islam que ça a rayonné autant ? Alors oui, on peut dire que c'est grâce à l'islam dans un premier temps, enfin, en tout cas grâce au mouvement des conquêtes, puisqu'elles ont permis d'établir un empire sur un territoire aussi vaste et aussi étendu que la région MENA, quoi. C'est vrai que l'arabe reste la langue du Coran et que les deux sont étroitement liés, mais pour autant, ce serait réducteur de dire que c'est... C'est l'islam qui a permis la diffusion de la culture arabe, parce que au-delà de ça, il y avait énormément de voyageurs aussi, de commerçants qui contribuaient à maintenir des liens, des échanges avec différentes populations partout dans la Méditerranée, même en Europe. Et on a fait des découvertes archéologiques de dirhams, donc la monnaie de l'Empire arabo-musulman en argent,
chez les Vikings. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la sphère d'influence qu'ils pouvaient avoir. Les Vikings échangeaient des fourrures contre des dirhams. Donc, ça allait bien au-delà de l'islam. Ils ont même si, effectivement, c'était le premier... Ils ont créé un pays, un État dans l'Algérie actuelle, les Vikings, non, il me semble. Non, pas les Vikings, c'était les Vandales. Ah, les Vandales, tout à fait. Oui, oui, ils ont conquis une partie de l'Afrique du Nord, oui. C'était en 429. Au début, les voyageurs et les marchands venus de l'Ouest en parlaient avec beaucoup d'inquiétude et même de terreur. Un peuple germain venu du pays des Ibères avait franchi les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar et se répandait sur notre terre d'Afrique. Ils auraient été près de 80 000, peut-être plus. Et les Arabes avant l'islam, est-ce que c'était un peuple connu ? Les Arabes avant l'islam, oui, oui. Alors, c'est quelque chose qui existait déjà énormément. Il y avait des récits de toutes les épopées des tribus arabes, les guerres qu'il y avait entre eux. Il y a aussi dans la littérature arabe qui a été reprise à partir de principalement l'Empire Omeyyade, la dynastie Omeyyade, des poèmes qu'on appelle les Mu'allaqat, qui sont des récits de toutes ces épopées, toutes ces guerres entre les différentes tribus arabes anté-islamiques, donc avant l'islam, et puis aussi des histoires d'amour passionnées, de la poésie, comme on dit, courtoise, des princes, des chefs de tribus qui tombaient amoureux de femmes, avec cette idée toujours d'amour désespéré, d'amour impossible, d'exil. Donc ça, c'est à travers ces poèmes et cette littérature qu'on connaissait les tribus anté-islamiques. Comment définit-on un arabe aujourd'hui ? Est-ce que c'est la langue, la culture, la génétique ? Est-ce que le Maghreb est arabe ? Est-ce que le Soudan est arabe, puisqu'il fait partie de la Ligue arabe ? Est-ce que Djibouti est arabe ? C'est un peu compliqué. Alors ça, c'est une très vaste question, et c'est une bonne question d'ailleurs, c'est important de se la poser. Il y a plusieurs composantes, en fait. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, tu l'as certainement vue. La réponse ne va pas de soi. Et surtout, les gens ne savent pas que c'est une question qu'on se pose. Chez les Arabes, c'est une vraie question, mais quand on est extérieur, on ne se la pose pas. Donc, qu'est-ce qu'on entend par arabe, finalement ? D'abord, il y a l'ethnie, évidemment. Donc, c'est ce qu'on disait avant. C'est le fait d'avoir un arbre généalogique, une tribu dont les ascendants, théoriquement, peuvent remonter jusqu'à Ismaël, jusqu'à Adnan, jusqu'à Qahtan. Et jusqu'à Adam. Selon cette définition, je ne suis pas arabe, puisque je croyais que j'étais arabe. Enfin, je suis originaire du Maroc, mais je savais donc que j'étais en grande partie d'origine berbère, mais je pensais quand même 2-3% d'origine arabe. Mais j'ai fait un test ADN, mais il se trouve que 0% arabe, zéro. Ah oui, justement, c'est pour ça que c'est une définition très compliquée. Il y a l'ethnie qui entre en compte, mais pas que. Donc l'ethnie, ce serait le fait d'avoir cette généalogie. Ces ancêtres qui viennent de la péninsule arabique, donc on retrouve effectivement des marqueurs dans l'ADN que tu n'as pas retrouvé toi en faisant le test ADN, mais il y a aussi l'aspect culturel et linguistique, c'est le fait de parler arabe, de porter un nom arabe, le fait de se sentir appartenir à une culture commune, le fait d'avoir étudié à l'école par exemple des textes de littérature arabe, tout ce qui est l'anthologie liée à tous ces peuples qui s'identifient comme étant arabes. Et puis il y a la dimension politique. Et ça aussi, ça rentre en compte. Évidemment, on n'est pas obligé de prendre tous les critères. On peut en considérer un, mais la dimension politique est très importante aussi. Et typiquement, je vais donner l'exemple de la Ligue arabe. La Ligue arabe, c'est un ensemble d'États qui se considèrent comme arabes, qui s'allient, qui se réunit régulièrement pour prendre des décisions et pour décider d'une position commune du point de vue diplomatique et politique. Et parmi ces pays, on retrouve la Somalie, on retrouve les Comores, on retrouve Djibouti, on retrouve le Soudan. C'est vraiment des pays arabes puisqu'ils ont leur langue originelle, ils ont leur langue, et ils ont l'arabe comme langue étrangère, comme seconde langue ou troisième langue. Donc, est-ce qu'on peut dire que Djibouti, dans le cas du Soudan, la langue arabe est la langue officielle. Mais pas ni en Somalie, ni à Djibouti, ni au Comores, par exemple. Alors, justement, c'est là que c'est intéressant parce que parfois, les critères se recoupent. Le politique recoupe le culturel, le linguistique, l'ethnique, mais parfois non. Dans le cas de la Somalie, effectivement, l'arabe, c'est, je ne sais plus si c'est une langue officielle, mais dans les faits, les gens parlent le somali, ils ne parlent pas l'arabe. Il y en a qui le connaissent parce qu'ils regardent, par exemple, les feuilletons
arabe, que ce soit des feuilletons syriens ou des feuilletons égyptiens. Donc, ils l'ont appris par ce biais-là, ou ils l'ont étudié à l'école, mais dans la vie de tous les jours, ils ne parlent absolument pas arabe. Mais au Soudan, par contre, ils parlent arabe dans la vie de tous les jours. Et pour les Comores, alors, ils ne parlent pas arabe, mais ils ont des prénoms qui sonnent arabes. Moi, j'ai beaucoup d'amis originaires des Comores qui s'appellent, je ne sais pas, Afida, Jamila, Reda, tout ça, c'est des prénoms arabes. Donc là aussi, ça fait partie de l'identité arabe du fait de se considérer comme arabe. Parce que alors, les Soudanais, malgré le fait qu'ils sont noirs, sont arabes, sont des arabes noirs alors. Oui, oui, bah, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, bien sûr. Aujourd'hui, certains, quand on dit qu'on parle arabe à beaucoup de gens, ici en Europe, en Occident, ils pensent à chameaux, au désert, etc., à rien d'autre. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de réalisations arabes, que ce soit en sciences, en algèbre, en mathématiques, en astronomie, la poésie, etc.? Oui, bien sûr. Alors, déjà, je ne sais pas qui sont ces personnes qui pensent que la culture arabe se limite aux chameaux ou au couscous, peut-être. Il y en a beaucoup. Mais bon, on va jouer le jeu. Alors, c'est dommage de croire ça, mais c'est une civilisation quand même qui a connu un âge d'or pendant la période médiévale. Vraiment un âge d'or. Jusqu'à présent, des Arabes, quand ils étudient leur histoire, cette période reste la période la plus importante. Et donc, ils ont quand même inventé le zéro, ce qui n'est pas rien. Il y avait en mathématiques aucune... J'ai entendu que ça venait d'Inde et que les Arabes ont fait circuler l'idée du zéro et l'ont développé, mais que ça venait d'Inde. Alors, c'est les chiffres qu'ils ont fait venir d'Inde, mais il me semble que le zéro, la notion de néant, n'existait pas. Alors, peut-être que je me trompe à ce niveau-là, mais effectivement, les chiffres qu'on appelle les chiffres arabes sont en réalité des chiffres indiens, et c'est eux qui les ont apportés vers l'Europe, puisqu'ils servaient de lien entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Donc ça, ça concerne les mathématiques, l'algèbre. On a Averroès, qui est un philosophe qu'on connaît beaucoup dans la culture occidentale, qui a apporté énormément en philosophie. Ibn Khaldoun, un voyageur qui a énormément apporté en géographie. Là, je parle de la période de l'âge d'or, la période médiévale, mais il y a eu aussi une autre période qui a été vraiment une renaissance pour la culture arabe, c'est la période qu'on appelle la Nahda. C'est la période de la renaissance arabe qui a commencé à partir du 19e siècle, donc les années 1800. Et là, il y a eu tout un tas de poètes, d'hommes de lettres, d'hommes politiques aussi. Je vais citer Mahmoud Darwish, par exemple, le poète palestinien. Je vais citer Gibran, Khalil Gibran, qui est lui aussi un poète. Il y a aussi le poète Nizar Qabbani. Ce poète, il est très important parce que jusqu'à présent, il y a des chanteurs qui reprennent les paroles de ses poèmes pour en faire des chansons. Et tout ça, ça a énormément contribué. Et je pense à un chanteur égyptien qui s'appelle Abdel Halim Hafez. Une de ses musiques, c'est pas le seul, bien sûr, a servi et a inspiré pour des samples, pour des rappeurs américains, notamment Jay-Z. Donc, il y a eu énormément d'influence. Les rappeurs américains, ils prennent des références arabes anciennes, les rappeurs américains. Eh ben oui, je sais pas s'ils le savaient, mais oui, ça vient d'un chanteur égyptien, oui, du 20e siècle. Moi, je citerais aussi l'université de Fès, je crois que ça s'appelle Al-Karawin ou quelque chose comme ça, qui est la plus vieille université au monde, toujours en accueil. Alors, il y a aussi... Il y a aussi l'université de Kérouan. Tout ça, ça a été énormément, ça a été vraiment important pendant l'époque médiévale. Ça a été un centre culturel et religieux, tout comme aujourd'hui à Al-Azhar en Égypte et le centre culturel et religieux pour le monde musulman. C'est-à-dire que c'est une référence concernant la religion islamique pour le monde musulman. Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité de la culture arabe dans le monde? Alors ça, c'est toujours une question un peu compliquée parce que nous, forcément, dans notre ethnocentrisme, entre guillemets, on va toujours voir des particularités, mais qu'on pourrait très bien voir chez les autres cultures. Mais je pense vraiment que ce qui fait la force aujourd'hui de la culture arabe, c'est les mouvements des printemps arabes qu'il y a eu à partir de 2011. Pourquoi? Parce que avec ce mouvement, il y a eu un réveil. Pas seulement en termes politiques, avec toutes ces révolutions qui ont demandé la démocratie, qui ont demandé l'arrêt de la corruption, etc., mais aussi les populations
jeunes se sont réinventés et ont su s'exprimer sur les réseaux sociaux, ont créé de nouveaux médias, on a vraiment vu apparaître de nouveaux médias à partir de cette période. Donc ça a apporté beaucoup de choses et je pense que c'est pour ça que, en tout cas si on devait prendre une seule raison, c'est pour ça qu'on devrait s'intéresser aux cultures arabes, parce que à ce moment-là, il y a eu un réveil, alors que jusque-là, tous ces peuples, tous ces pays étaient, on peut dire, endormis, dans un certain immobilisme. Il y a beaucoup de Maghrébins en France et en Belgique aussi, surtout des Marocains. Est-ce que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, est-ce qu'ils se sentent arabes, Maghrébins, musulmans, Africains, tout à la fois, un petit peu de tout? Ça dépend vraiment beaucoup. C'est très idéologique quand on décide de se reconnaître dans l'une ou l'autre des identités ou tout à la fois, c'est pas anodin du tout. Je dirais qu'il y a des personnes qui se sentent avant tout marocaines, algériennes ou tunisiennes, donc c'est la nation qui prime, quelle que soit l'origine géographique, si on est berbère ou si on est arabophone. Et puis au Maghreb, il y a aussi l'opposition entre arabes et berbères. Et là, vous avez les berbéristes, c'est comme ça que qu'on les appelle, et les arabistes qui ni, on va dire, les composantes, alors les arabistes, ni les composantes berbères de ces pays, et les berbéristes rejettent la composante arabe. Or, l'une ou l'autre de ces approches est extrême. C'est aussi absurde de nier le caractère berbère du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie que de nier le caractère arabe. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Donc, en reprenant les personnes qui s'identifient avant tout comme berbères et qui rejettent l'arabité et parfois aussi souvent l'islamité, c'est lié au fait qu'il y a eu des politiques d'arabisation forcée au moment où les États d'Afrique du Nord, après l'indépendance, ont cherché à se construire une identité. C'est passé par l'interdiction de parler berbère ou l'arabisation forcée dans les programmes scolaires, par exemple, mais c'est pas propre que à l'Afrique du Nord, on peut aussi retrouver ça par exemple avec les Kurdes en Irak ou en Syrie. Oui, de toute façon, les Maghrébins en grande majorité sont d'origine berbère, même ceux qui se disent arabes en fait. Oui, en fait, techniquement, ils sont berbères, ça ne fait aucun doute. S'ils se reconnaissent comme étant arabes, c'est avant tout culturellement, linguistiquement et politiquement. Mais toi qui as fait le test ADN, tu es représentatif, pardon, finalement, du reste des Marocains qui peuplent le Maroc. Ethniquement, tu es berbère. Tu es un habitant autochtone d'Afrique du Nord qui a émigré en Belgique. À 80%, précisément. Voilà, c'est ça, oui. Ben oui. Et tu posais aussi la question par rapport à l'identité africaine. Alors, moi, je vais donner l'exemple de l'Égypte. Nasser, l'ancien président, le fameux qui a vraiment donné une impulsion au nationalisme arabe au-delà des frontières, parlait. Un oui. Grand tour du socialisme, du tiers-mondisme, des oui. Pays non alignés. En fait. Oui, qui a nationalisé le canal de Suez, par exemple. Alors lui, il a théorisé l'identité égyptienne en trois cercles. Le cercle arabe, le cercle musulman et le cercle africain. Et pour lui, l'Égypte appartient à ces trois cercles. Donc à la fois arabe, à la fois musulman et à la fois africain. Donc ça dépend vraiment, c'est des choses à penser en fait. Chacun va s'identifier à sa manière. Et tout ça est très idéologique, comme je l'ai dit, c'est pas du tout anodin. Il y a beaucoup d'affrontements entre les différents courants de pensée. Il y a beaucoup de tensions entre les pays arabes depuis longtemps et surtout entre pays voisins. Je pense notamment au Maghreb, entre le Maroc et l'Algérie, mais aussi entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, etc. Que penses-tu de toutes ces tensions entre pays arabes et même voisins? Pour moi, ça confirme une chose, tout simplement, c'est que le monde arabe est très divers et loin d'être un ensemble homogène. Ça montre à quel point les cultures arabes sont riches et diversifiées. Donc là, on a parlé des rivalités entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais il faut savoir que même parler de ça, le Qatar d'un côté et l'Arabie Saoudite et son allié, les Émirats Arabes Unis de l'autre, même ça commence à être obsolète. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, avec la guerre au Yémen, avec d'un côté donc la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et de l'autre, les Houthis, soutenus par l'Iran, on a aussi des dissensions qui commencent à se voir depuis plusieurs mois maintenant entre l'Arabie Saoudite et son allié, les Émirats Arabes Unis. Parce que l'Arabie Saoudite soutient le gouvernement dit légitime,
celui qui est dirigé par un gouvernement du parti Islah, qui s'appelle, c'est la branche yéménite des frères musulmans. Même si les frères musulmans s'étaient associés au Qatar, et normalement l'Arabie Saoudite ne fait pas ça, mais par pur antagonisme avec l'Iran qui soutient les Houthis, elle a décidé par pragmatisme de soutenir des frères musulmans. Et de l'autre, les Émirats Arabes Unis ont décidé de soutenir les séparatistes qui se trouvent au sud du Yémen, dans le sud du Yémen, dans la région d'Aden, la ville portuaire d'Aden. Donc même là, il commence à y avoir des affrontements qui se voient entre les deux puissances. Donc c'est vraiment une question de différence d'intérêt et d'agenda politique, de projet politique dans la région. En ce qui concerne le... Oui ? C'est aussi beaucoup idéologique, en fait, entre les divers courants les divers courants islamiques, aussi géopolitiques, de puissance nationale, etc. Oui, alors même si parfois le pragmatisme reprend le dessus, comme je l'ai dit pour l'Arabie Saoudite, qui décide d'apporter son soutien à un gouvernement de frères musulmans, alors que, à leur habitude est plutôt de soutenir les courants salafistes. Et le courant salafiste est rival du courant frères musulmans, qui lui est associé plutôt au Qatar. Donc c'est important de le savoir. La différence entre le salafisme et l'idéologie des frères musulmans, parce que pour beaucoup de gens, l'islam c'est l'islam et il n'y a pas de grosse différence entre tous ces courants. Alors, je ne vais pas m'aventurer à expliquer l'idéologie, mais en gros, historiquement, le salafisme, c'est la religion des pieux prédécesseurs. Donc, c'est le fait de se baser sur les musulmans d'antan, les premiers musulmans, sans aucune innovation, parce que toute innovation est considérée comme blâmable en islam. Et les frères musulmans, c'est le courant qui est né en Égypte avec Hassan al-Banna. Et il s'est étendu, c'est une confrérie, on peut même dire que c'est une ONG finalement, les frères musulmans, parce qu'il y a plusieurs branches dans plusieurs régions du monde. Et le Qatar a adopté cette idéologie religieuse. Donc c'est pour ça qu'il y a des antagonismes, parce que le salafisme, c'est l'idéologie que l'Arabie Saoudite a adoptée, avec sa variante wahhabite, on dit le royaume wahhabite, et le Qatar, c'est les frères musulmans. Ok, parfait. Et entre le Maroc et l'Algérie, pourquoi toutes ces rivalités ? J'allais y venir. Ça, c'est clairement un héritage de la colonisation. Quand les Français ont tracé les frontières, ils ont inclus en Algérie certaines parties que le Maroc revendiquait. À tort ou à raison, là n'est pas la question. Et je ne trancherai pas là-dessus, c'est pas mon rôle. Mais voilà, ça vient de là. Ensuite, avec les guerres d'indépendance, il y a eu énormément de rivalités de frontières. Et petit à petit, ça s'est même répercuté au niveau des populations, puisqu'il y a une certaine méfiance entre, même si c'est politique à l'origine et que les gouvernements instrumentalisent ça, il y a quand même une certaine méfiance entrée dans les mentalités entre Marocains et Algériens. Et j'ajoute à ça aussi le fait que les deux pays ont un régime politique totalement différent. Le Maroc, c'est un royaume. L'Algérie, c'est une république. Donc, on a vraiment deux visions différentes du monde et deux régimes politiques différents, ce qui accentue encore plus l'antagonisme entre ces deux pays. Aujourd'hui, les frontières, par exemple, entre le Maroc et l'Algérie sont fermées, alors qu'on est en 2020, en pleine période de mondialisation. Par exemple, le Maroc a des accords de libre-échange avec l'Europe, les États-Unis, etc. Mais avec l'Algérie, les frontières sont fermées, alors que le voisin est le partenaire naturel. Est-ce que c'est pas un peu... anachronique, ce genre de relation? Après, il y a les relations publiques et officielles, mais il y a quand même des relations économiques qui continuent de s'entretenir. Là où il y aurait un problème, c'est si le Maghreb en entier s'unifiait politiquement. Ça, c'est totalement utopique. Là, je pense que j'anticipe sur une question que tu me poses. Oui. Non, une union politique, ce serait totalement utopique, mais vraiment, parce que les pays sont beaucoup trop différents entre eux, parce qu'ils ont des intérêts différents, parce qu'ils ont des natures de régimes politiques différents. Mais par contre, à la base, l'union du Maghreb arabe, le projet dans les années 80, c'était ça, c'était une union douanière, une union commerciale pour du libre-échange. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence à être politique, là, ça devient problématique. Et c'est d'autant plus utopique qu'on a déjà vu des exemples par le passé qui ont complètement échoué dans les années 60 au Moyen-Orient avec la République arabe unie. La République arabe unie, elle a uni l'Égypte et la Syrie avec un temps aussi le Yémen, mais ça n'a pas tenu longtemps. Ça a tenu quelques années, puis ensuite, ça a implosé. Pourquoi ? Parce que
l'Égypte prenait trop l'ascendant sur les autres puissances, ce qui est logique puisque c'était vraiment le pays leader de la région en matière de nationalisme arabe et de rayonnement culturel arabe. Et puis, il y avait aussi la discontinuité territoriale. Plus on s'éloigne géographiquement et plus c'est difficile de maintenir une cohésion. Alors, imagine, à l'échelle du Moyen-Orient, c'est compliqué. À l'échelle du Maghreb, c'est compliqué. Mais si on fait ça d'un bout à l'autre, du Maroc jusqu'aux Émirats, c'est totalement impossible. Oui, comme le projet panarabiste d'une certaine époque qui voulait unifier tout le monde arabe. Mais par exemple, entre le Maghreb, sont les mêmes langues, à peu près les mêmes langues, les mêmes dialectes, les mêmes cultures, la même religion. Pourquoi pas finalement alors un même État? Je pense aussi que là, c'est utopique. Le Maghreb, oui, a des points communs. C'est pour ça qu'on y voit un ensemble cohérent par rapport à la culture, par rapport à l'histoire, par rapport à la langue. Mais maintenant qu'il y a des États-nations, des frontières bien définies, des politiques différentes, des sentiments d'appartenance différents, c'est difficile de gommer les frontières et de faire intégrer aux gens qu'ils vont appartenir à un ensemble avec des frontières gommées. Et là aussi, je vais reprendre l'exemple du Moyen-Orient. Dans l'entre-deux-guerres, quand les nationalistes arabes voulaient obtenir un État et ont plaidé leur cause auprès de la France et de la Grande-Bretagne, ils imaginaient un grand royaume arabe qui s'étendait grosso modo de la Palestine mandataire jusqu'à l'Irak. Donc un grand territoire où effectivement on parle la même langue, culturellement c'est cohérent. Mais les puissances coloniales ne l'ont pas entendu de cette oreille et ont créé différents États en traçant des frontières. Donc on a eu l'Irak, on a eu la Transjordanie au départ qui est devenue ensuite la Jordanie, on a eu la Syrie. Et avec le temps, ces États se sont construits, des familles dirigeantes se sont installées et donc finalement ont préféré garder leurs intérêts et la nation l'a emporté sur la logique de nationalisme et de panarabisme. Dernière question un petit peu pour conclure, question existentielle, est-ce que le couscous est marocain ou algérien? Pour moi la question se pose pas en fait parce que le couscous existait en Afrique du Nord depuis très longtemps, bien avant que l'Algérie existe, bien avant que le Maroc existe, bien avant que la Tunisie existe aussi. Donc le couscous, c'est berbère, c'est ni algérien ni marocain, ou alors c'est à la fois algérien et marocain. Et comme j'aime bien aussi faire des rapprochements avec le Moyen-Orient, c'est comme se demander si le houmous, c'est palestinien ou syrien ou irakien. Voilà, c'est le ventin, quoi. Ah, ok. Donc on peut dire le couscous, en fait, est maghrébin. Vient du Maghreb, vient d'Afrique du Nord. Oui, on le trouve aussi en Libye, on le trouve même dans certaines régions en Égypte. Donc, c'est nord-africain, c'est berbère. Ah, parfait. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose que tu aimerais dire que tu n'as pas dit? Je voulais vous remercier, Pensée Plurielle, de m'avoir invité pour me poser toutes ces questions. Et ça me fait plaisir, en fait, parce que je vois que finalement, les cultures arabes intéressent les novices, pas forcément les gens qui ont des origines arabes, ou qui étudient le monde arabe, ça me fait plaisir de voir que des personnes qui n'ont pas forcément de lien avec le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord s'y intéressent et veulent en apprendre plus. Moi, j'ai une dernière question qui me vient en tête. Quand on dit le mot arabe à beaucoup de gens ici en Europe, ils pensent directement à islam, islamisme, islamisme, terrorisme, Al-Qaïda, etc. Est-ce que... d'où vient en fait cette réputation et comment changer cela en fait, cette vision des choses? Là aussi, c'est une bonne question et là aussi, j'en ai fait une vidéo avec un très bon ami à moi qui s'appelle Maxime Basile qui a des podcasts historiques. Je vous invite à les écouter, ça s'appelle « Au crible de l'histoire ». Et donc, on en a discuté. En fait, on a débattu de l'émission face à l'info, il me semble que ça s'appelle, sur CNews. Éric Zemmour affrontait Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, sur le bien fondé d'enseigner la langue arabe en France. Et tout de suite, le débat est parti en islam, en islamisme, alors qu'au départ, on parlait simplement de l'enseignement d'une langue. Donc c'est vrai que c'est regrettable que tout de suite, quand on parle d'enseigner la langue arabe en France ou n'importe où, dans n'importe quel pays, ça vire tout de suite à ce débat. Ça devrait être considéré comme n'importe quelle langue, surtout que, mais la langue arabe préexistait à la religion musulmane. Il y a des communautés chrétiennes qui sont profondément arabes,
On peut apprendre la langue arabe dans un cadre totalement laïque, détaché de l'islam. C'est vrai que la langue arabe est la langue du Coran, que les deux sont liés, que pour comprendre la culture arabe, il faut aussi comprendre l'islam, mais être arabe ou apprendre l'arabe, ça veut pas pour autant dire que on fait l'apologie de l'islamisme. Enfin, c'est ridicule. C'est pour n'importe quelle langue. Je le disais dans cette même vidéo avec Maxime. C'est comme dire que l'allemand c'est une porte ouverte vers le nazisme, ou je disais aussi le russe vers le marxisme, même si Marx n'est pas russe. Hein, mais t'as bien compris. Voilà, c'est très réducteur en fait. Une langue, c'est une culture, c'est pas qu'une religion. Surtout que dans l'histoire, la langue arabe a souvent été enseignée en Europe. Je pense au Moyen-Âge, etc. Il y a eu beaucoup de moines qui parlaient l'arabe. Je pense aussi que Léon l'Africain, qui est originaire, comme son nom l'indique, d'Afrique du Nord, qui a été christianisé de force, enseignait, je crois, la langue arabe à Venise. Donc, c'était une langue très répandue en Europe à une certaine époque. Oui, ils ont vu, tous ces intellectuels ont vu l'intérêt en fait d'apprendre l'arabe. Il y a eu le mouvement des orientalistes, il y a eu Gustave Le Bon qui s'est intéressé à la civilisation des Arabes, n'étant ni arabe ni musulman lui-même. Napoléon s'est extrêmement intéressé à la culture arabe et à la culture égyptienne. Napoléon Bonaparte, mais aussi Napoléon III qui rêvait d'un royaume arabe quand l'Algérie a commencé à être colonisée. Et puis il y a eu Kazimierski qui a créé un dictionnaire avec les racines arabes pour vraiment comprendre l'origine des mots et les traduire vers le français. Donc oui, c'est il y a un intérêt à apprendre l'arabe, à apprendre à connaître la culture arabe, et il n'y a pas forcément besoin d'être arabe ou musulman pour s'y intéresser. En tout cas, merci beaucoup Sabrina. Merci pour ton temps et toutes tes explications. Et, Avec plaisir. Merci en tout cas, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas aussi à liker, partager pour répandre un petit peu la bonne parole. Et on se retrouve une fois prochaine alors pour une autre interview. Merci à tous.